Bienvenue sur le stand Pacific Sun à Interzoo 2018, où on peut voir derrière nous leur fameuse remplette qui a été mise à jour avec l'utilisation de Wi-Fi au lieu du Bluetooth par exemple, qui est aussi hybride avec LED et T5, donc avec de nouvelles caractéristiques que vous pourrez découvrir plus tard dans un article détaillé. Mais la marque sort également une décantation en acrylique complète, donc avec de base un médium réacteur qui est inclus avec la décantation, ainsi qu'un double micro-ombag. En option, la marque a également sorti un nouvel écumeur disponible en 3 modèles, ainsi que leur réacteur à algues, Algae Reactor. Donc on sait que ce produit est à la mode. La marque en a sorti de nouveau avec pas mal de nouvelles caractéristiques, comme la possibilité de brancher la sortie d'un rack avec une eau acide riche en CO2 directement dans le réacteur, ce qui est favorable à la croissance des plantes. A savoir qu'ils ont aussi développé avec Cree un bandeau LED spécifique à la croissance des algues et non seulement pour les plantes terrestres qui ont des besoins différents. Autre matériel qu'il est possible d'intégrer dans la décantation qu'on vient de voir, ce sont les réacteurs à calcium. Donc avec ici le mini qui est pilotable par leur contrôleur, le Calc Feeder Controller Pro. Donc ce réacteur à calcium a pour différence par rapport aux autres qui existent sur le marché de ne plus utiliser une sonde pH mais un capteur optique qui détecte la quantité de CO2 libre dans cette colonne qui indique la consommation de CO2 et donc le réglage de votre sortie de réacteur. Nous finissons les nouveautés Pacific Sun par les pompes doseuses. On connaissait la version 5 voies. Elle est disponible maintenant en version 7 voies, en sachant que 3 peuvent être destinées à utiliser pour mesurer et ajuster votre KH grâce au KH Lab qui se trouve juste en dessous et la pompe doseuse pour ajouter votre buffer. En sachant que ce système ne rejette pas d'eau en dehors de l'aquarium, mais l'eau est réutilisable grâce à un petit module qui permet de réajuster votre pH en sortie du KH Lab. Nous sommes sur le stand Elos, donc aussi qui est le stand partagé avec Gizman, donc avec un bac Elos de la gamme Crystal Line 120 XL avec la descente externe avec le système silencieux et qui est éclairé par une rampe Gizman hybride nouvelle génération. Et donc la petite nouveauté, c'est que Elos travaille avec Becha pour proposer des produits en acrylique qui accompagnent désormais en standard quand vous commandez un bac Elos. Si vous commandez l'option entre guillemets décante Elos, vous avez une décante Becha full acrylique et vous pouvez avoir tous les accessoires à la couleur que vous souhaitez, donc qui sont la couleur orange Elos fournit avec. Voilà. Donc on va avoir une petite interview avec François qui est présent sur ce salon Interzoo pour vous présenter tout ça en détail. Nouveauté sur le stand Triton à Interzoo. Un nouveau kit de test, donc on connaissait les ISPI OS avec tous les éléments déjà testés. Ici, un nouveau, donc avec les rapports nitrate, azote, carbone et phosphore, donc utile pour la gestion pour lutter contre les algues. Également, le carbone organique dissous, qui est à équilibrer car c'est une des sources d'énergie pour les bactéries, donc pour un bac équilibré et éviter les cyanobactéries par exemple. Ainsi qu'une mesure très proche de l'alcalinité sous ces deux formes. Donc à savoir qu'il existe ce test seul ou en combinaison avec l'ICP-OS classique, donc qui permet de mesurer tout l'ensemble. Pour des mesures très précises, ils ont inclus un stabilisateur qui permet de stopper toute réaction dans les tubes envoyés, donc pour une durée jusqu'à 10 jours. Autre nouveauté, Triton s'engage dans la lutte contre les plastiques, donc avec un format brique comme vous pouvez acheter votre lait, donc qui réduit la production de plastique de 95% sur leurs produits.